Œil de Faucon et ses amis se reposent dans un village quaker. Ils sont obligés de déposer les armes et de participer aux corvées de la ferme. Œil de Faucon et Alice échangent un long baiser. Sera-t-il le dernier ? Ô Père Tout-Puissant, abaisse le regard sur tes humbles serviteurs et conduis nos pas incertains vers une terre riche et paisible. Amen. Amen. Mes frères, un dur voyage nous attend, mais le Seigneur nous guidera tout au long du parcours. Et maintenant, rejoignez vos chariots. Mettons-nous en route. Adieu, mes frères et mes sœurs, et que le Seigneur soit avec vous. Adieu, frère Henri. Au revoir, Samuel. Au revoir, Ruth, et faites bonne route. Bonne chance, petite lame. Salut. Au revoir. Que Dieu soit avec vous. Nous devrions reprendre la route. Il reste 3 ou 4 jours de marche jusqu'à Fort Henri. Pensez-vous qu'ils trouveront un endroit sûr ? Si ces Quakers sont bien une qualité, c'est la persévérance. Ils trouveront leur bonheur, Miss Alice. Dis-moi, œil de faucon, penses-tu à la même chose que moi ? Nous pensons tous à la même chose, père. À quoi fais-tu allusion ? Unka ? Oui, à quoi ? Nous direz-vous enfin de quoi ils retournent ? Ils ne s'en sortiront pas, du moins pas sans notre aide. Comment allons-nous survivre, Samuel ? Les Français nous ont tout pris. J'ai toujours mon fusil, Ruth. Je peux chasser. Papa, maman, regardez qui voilà. Wow ! Hein ? Vous croyez être débarrassé de notre petit groupe de pêcheurs ? Pas vrai, frère Henri ? Qu'y a-t-il, frère œil de faucon ? Eh bien, pour commencer, vous avez pris la mauvaise direction. Si vous cherchez un passage à travers la montagne, le plus proche est à l'est et non au nord. Frère Henri, j'ai l'impression que le Seigneur, dans sa bonté, nous a envoyé des anges gardiens. C'est loin de nous l'idée de nous opposer à sa volonté. Demi-tour, nous cheminerons vers l'est. Tenez, essayez. Pour nous de partir à la chasse. Continuez vers l'est jusqu'au soir et installez le campement. Est-ce qu'on peut venir avec vous ? Pourquoi pas ? À petit homme, petite proie. Merci, mais comment on chasse avec ça ? D'abord, il faut que tu repères un terrier de lapin. Puis tu suspends le nœud coulant devant l'entrée et tu attends. Et petite lame fait quoi ? Petite lame te protège, il faut que quelqu'un monte la garde. Tiens, voici ton arme. Un bâton taillé en pointe, Unka ? Tu te moques de moi ? Je suis plus habile avec ma fronde. Penses-tu que tu pourrais abattre un puma avec ta fronde ? Non. Je ne te conseille pas d'essayer. Par contre, si tu fonces droit sur lui avec ce bâton, il s'enfuira en courant. Et si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, essaie de lui faire les yeux doux. Nous serons de retour quand le soleil touchera la montagne. Samuel, je m'inquiète pour Billy, pourvu qu'il ne le laisse pas tout seul. Ruth, voyons, c'est impensable. Jamais il ne ferait une chose pareille, jamais. Là, regarde, ce ne serait pas un terrier de lapin ? Si, un gros. Il doit y en avoir des tas. Le nœud coulant est en place, il n'y a plus qu'à attendre. Je ne sens plus mon bras, il est tout engourdi. Ça ne m'étonne pas, ça fait des heures qu'on attend. Petite lame, tu ne voudrais pas enfoncer ta main dans le trou ? Non, pour rien au monde, c'est trop dangereux. Mais toi, vas-y si tu veux. C'est pas la peine de t'énerver.
Et où est passé le soleil? Il est déjà de l'autre côté de la montagne. Il faut vite rejoindre les autres. Chut, ne crie pas, tu vas faire fuir les lapins. C'est pas grave, on rentre, viens. Ce n'est pas par là, on est arrivé de l'autre côté. Tu es certain? Eh bien, en fait, je ne sais plus trop. Voilà bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, je crois que ça bouge dans le terrier. Il se décide enfin à sortir. Ça y est, le dîner arrive. Un beau lapin rôti. C'est un serpent vénéneux. Maman. Mes frères, c'est un véritable festin que vous nous avez rapporté là. Je suis d'accord, cette perdrix valait bien tous les faisans du monde. Miam. Et nous direz-vous le nom de cette délicieuse viande blanche? Vous le saurez bientôt. Mais il faut d'abord que je sermonne ces deux jeunes garçons. Petite lame, Billy, vous avez mis vos vies en danger inutilement aujourd'hui. Oh, Seigneur. Vous avez oublié de surveiller le soleil dans le ciel. Vous avez manqué notre rendez-vous à la clairière. Vous n'avez pas laissé de marques sur les arbres et vous vous êtes perdu dans la forêt. Oh non. Vous n'avez pas remarqué que je vous suivais. J'aurais pu être un ennemi. Toutefois, comme pour vous faire pardonner vos écarts de conduite, vous avez attrapé une belle proie, grasse et succulente. Billy, aujourd'hui tu as gagné un surnom indien, celui qui capture les serpents. Je suis fière de toi, mon fils. Mais où est ce fameux serpent? Oui, montre-nous donc cette proie grasse et succulente. Les visages pâles m'étonnent. Nous n'aurions rien dû dire. Nous ferons deux chasses désormais. Abritez-vous! Je veux bien faire le chasseur, mais je n'aime pas être chassé. C'est lui! Akawa! Ce chacal ne se réveillera pas de sitôt. Non, n'ayez crainte, je ne vous ferai pas de mal, je viens en ami. Papa? Attends-moi dehors, Unka. Qui est-ce qui fait ce boucan? Une femme. Elle est malade? Non. Comment ça, non? On dirait un cochon qu'on égorge. Oh. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien du tout, monsieur, même si vous méritez une bonne correction. Allez voir votre femme. Oh. Betty! Betty! John! Ne la touchez pas, espèce de sauvage! Non, John, tout va bien, il m'a aidé, au contraire. Voilà votre fils, monsieur John. Oh, il est mignon comme tout. Comment est-ce que vous allez l'appeler? Comme mon père. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû tirer, désolé. Où allez-vous, mon frère? J'essaie de gagner l'Est. Vous êtes les bienvenus dans notre convoi. D'accord. Je pense que ça fera plaisir à ma femme, elle aime la compagnie. Il n'est pas peu fier, celui-là. C'est un orgueilleux, et l'orgueil est la vertu des fous, mon fils. Comment est-ce que tu trouves le bébé, Billy? On dirait une grosse limace. Et toi, tu étais si laid à la naissance que la sage-femme a failli s'évanouir. Je suis contente que Billy ait une chance de se familiariser avec les tout-petits. Comme ça, il pourra m'aider d'ici quelques mois. Hein? Quelle merveilleuse nouvelle, ma chérie. Pour une fois que j'étais sur le point de gagner. Qu'y a-t-il, John? Tu as l'air soucieux. Je n'arrive pas à me sortir du crâne que mon fils a été mis au monde par un sauvage. Mais mon ami Grand Serpent est un brave homme. Mon père disait toujours qu'un bon Indien est un Indien mort. Oh! Où est mon fusil? N'y songez pas. Dans votre intérêt, je vous conseille de reposer cette arme. Que devons-nous faire, frère Unka? Rien du tout. Il faut rester tranquille et attendre. Mes yeux me jouent des tours. C'est la vieillesse, mon frère.
J'ai cru voir un Mohican jouer les nounous pour un convoi de visage pâle. Ma vue n'est malheureusement guère meilleure, mon frère. J'ai cru voir une baleine obèse monter sur un pont. Calame ! Attends. Sais-tu ce que signifient les mots qui viennent de sortir de ta bouche, Mohican ? Que nous ne sommes plus de première jeunesse, Teyene. C'est un grand honneur d'être invité par le chef Teyene Hendrix. Il est craint et respecté par toutes les tribus iroquoises de la région. Unka, ton père connaissait-il déjà ce chef Hendrix? La mère de Teyene était une Mohican. Il jouait avec mon père quand ils étaient enfants. Je vois que tu t'es entiché des peaux maladives. Tes paroles sont plus cinglantes que la piqûre du scorpion. Bah, à mon âge, on s'amuse comme on peut, grand serpent. Tu aurais vu la tête du roi Georges quand je l'ai appelé votre hauteur au lieu de votre altesse. Je n'ai jamais vu un avorton pareil. Oh. Teyene, Waitena, Onkale, Oteye, Washiku. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aime pas les visages pâles. Waite Kino Dimoy. Tachetu Nahama Salki. Cette petite discussion m'a donné soif. Vous prendrez bien une tasse de thé, mesdames. Bonté divine! Ce service en porcelaine vient d'Angleterre, n'est-ce pas? Absolument! C'est ce bon vieux George III qui me l'a offert. Teyene Hendrix s'est rendu en Angleterre à deux reprises, sur l'invitation de votre roi George. Dois-je en déduire que vous êtes un ami de mes compatriotes, mon brave? Parfaitement, mon cher. Nous sommes depuis toujours les fidèles alliés des troupes britanniques et les ennemis jurés des Hurons. Mais pour une raison que j'ignore, les Anglais manquent à leur parole. Ils nous tiennent soigneusement à l'écart du champ de bataille. Que se passe-t-il? Nous préparons une petite fête en l'honneur de votre arrivée. Hey Oduga, 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 hey Oduga. Laisse le don sauter autour du feu, le seigneur ne s'offusquera pas de si peu. Ce guerrier me regarde d'un sale œil. C'est Unta. Cette jeune canaille s'est juré d'éliminer la race blanche, Sir Huxtable. Il voyait rien de personnel. Je vais retourner au chariot. Mais John! Ça me donne envie de danser, tu te souviens des balles au château? Eh bien, nous n'avons qu'à danser avec eux. Tu perds complètement la tête, Cora. Mais j'ai bien peur que ta folie soit contagieuse. À la bonne heure, j'aime bien te voir comme ça. Je te prie d'excuser les femmes, Teyene. Elles ne savaient pas que seuls les hommes sont autorisés à danser. Ne te tourmente donc pas, Unka. À vrai dire, j'ai trouvé leur danse plutôt divertissante. Teyene. Shingaguk. Que les esprits du vent soient toujours dans ton dos, Shingaguk. Halte ! Il y a un problème ? Nous ne pouvons pas traverser la clairière. C'est un lieu sacré qu'il faut contourner. Le cimetière iroquois. Retournons dans la forêt chercher un autre chemin. Pas question de faire demi-tour ! L'Est est par là ! Nul n'a le droit de fouler cette terre, John. Les Iroquois l'utilisent pour leur cérémonie funéraire. Vous oubliez que je ne suis pas un indien ! Non, mais vous devez respecter leur dernière demeure. Il ne faut pas déranger les esprits. Ah oui ? Eh bien moi, je n'ai jamais rencontré un esprit qui résiste à un baril de poudre ou une volée de plomb ! Allez, ya ! Ya ! Oh ! Ouais ! Ainsi finit l'homme stupide et orgueilleux. John, tu es fou !
Porte-toi la ferme. Allez, ya, 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 ya. John, pour l'amour du ciel, arrête-toi. Oh. Ah, c'est, ça suffit les pleurnicheries. Nous l'avons traversé ce fichu cimetière, les doigts dans le nez. On ira bien plus vite sans ce convoi de malheur. Pensez-vous qu'ils sentiront, frère Ouga? Je crois que malheureusement, vous avez la réponse. Et Betty? Et leur pauvre petit garçon? La femme et le bébé sont encore en vie. Seul un sorcier peut les sacrifier pour apaiser les esprits de la forêt. Tchou! Voilà, voilà, voilà! Voilà, voilà, voilà! Tchou! Voilà, voilà, voilà! Tchou! Voilà, voilà, voilà! Tchou! Voilà, voilà, voilà! Tchouk, voilà, 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 tchouk, 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 tchouk. Chingaguk Halom. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça, mon vieil ami? Oui. Et surtout que ta main ne tremble pas. En se répandant sur le sol, le sang de Chingaguk a lavé l'affront fait aux esprits. La femme et l'enfant sont libres de partir. Hey, Deso! Soyo Ambuna, Gashida! Veux-tu vraiment affronter en duel un vieil homme qui perd son sang? Hey! Ça ne fait pas de doute. Unta veut t'affronter, c'est son droit. Certains jeunes mettent du temps à trouver la voie de la sagesse. Yo, hey! Akoisha! Décidément, tu n'as pas fini de m'étonner, vieille branche. Il y a quelqu'un qui vient. Père! Sœur Betty, quelle joie! Vous êtes sain et sauf! Oui, grand serpent nous a sauvés. Il a perdu beaucoup de sang. Ne t'en fais pas, je m'en remettrai. Mais il faut partir sur le champ. Pour quelle raison? Unta et ses acolytes vont sans doute attaquer la caravane cette nuit. Leur cœur crie vengeance. Setyo wa Chiku! Pourquoi tant de hâte soudain, frère œil de faucon? Nous devons quitter le territoire iroquois. Nous avons de la chance. Le bac est toujours en place. Il danse sur la rivière comme un poisson au bout d'une ligne. Ouais, l'eau est agitée, mais les cordes sont solides et je suis sûr qu'elles tiendront. Voilà Unka. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Ils arrivent! Malédiction. Nous n'avons que 3 fusils pour les ralentir. Combien de voyages avons-nous le temps de faire? Un aller simple, pas plus. Alors nous n'avons guère le choix. Il ne manquait plus que la pluie. Tire au lieu de parler. Nous avons tout abandonné. Il ne nous reste plus rien. Ne t'inquiète pas, Yoko. Mon
pauvre petit. J'ai bien peur que nos poursuivants nous aient déjà rejoints, mes amis. Bon sang, ils ont fait vite. Tirez, tirez de toutes vos forces. Dois-je prendre mon fusil? Non, vous ne pourrez pas faire feu avec cette pluie. La bonne nouvelle, c'est que nos ennemis non plus. Nous arrivons. Je te tiens. Seigneur. Route. Cette fois, nous sommes perdus. Seigneur de grâce, écoutez nos prières. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La voix de la rivière semble s'être enfin apaisée. Oui, ça y est, nous avons franchi les rapides. Regardez, mes frères, regardez! Nous touchons au but de notre voyage. Merci, Seigneur. C'est sur cette terre que nous bâtirons notre village. Dans ton infinie bonté, tu nous as donné plus que nous n'osions en rêver. De l'eau pour irriguer nos champs, du bois pour construire nos maisons, et de hautes montagnes pour assurer notre protection. Loué sois-tu, Seigneur. Nous ferons de notre mieux pour cultiver cette terre et te servir. Amen. Amen. Alors comme ça, cet endroit te plaît aussi, Yaku? Et ton petit maître, qu'en pense-t-il? Moi? Eh bien, c'est pas trop mal, je crois. Puisque tu as déjà fait de Billy un vrai petit indien, tu pourrais rester un peu et nous apprendre tes coutumes. Tu ne vas quand même pas me laisser tout seul avec un bébé et un petit frère qui s'annonce? Bon, d'accord, je veux bien rester un peu. Ouah! Où est-ce qu'on va construire le tipi? Dans un arbre, le plus loin possible des trous de serpents. Eh bien, il n'a pas hésité longtemps. Il sera bien mieux ici qu'à Fort Henry, vous ne pensez pas? Si, vous avez raison. Voici une lettre pour vous, frère Chingagook, de la part de Sœur Betty. Adieu. Dieu soit avec vous. Merci pour tout. Merci pour tout. Vous serez toujours mes frères. Merci. Je les regretterai. Ils sont étranges, mais ils ont du cœur. Dépêchons-nous, Miss Alice. Nous avons une longue route à faire et plus de chevaux pour nous porter. Ne soyez pas si matérialiste. C'est la meilleure. Cher ami, je ne sais pas si j'aurai le plaisir de vous revoir un jour, mais je tenais à vous remercier pour avoir mis au monde mon fils et nous avoir sauvés tous deux d'une mort certaine. Je n'oublierai jamais votre courage et je remercierai le ciel chaque jour d'avoir croisé votre chemin. Adieu, mon ami, Betty et votre filleul, Nathan. Je suis heureux de vous avoir sauvé. Bonne chance.